Kamala Gbedia. Allô. Ah, bonsoir Kamala Gbedia. Oui, bonsoir Monsieur Zadima. Ouais, comment allez-vous? Très bien, chez vous. Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Bon, c'est un bonsoir. Uh-huh. Et puis aussi à venir un peu avoir les échos de la rencontre avec le Premier ministre. La rencontre avec le Premier ministre. Ouais. Non, lui, ça n'est pas venu, mais il est venu, il a trouvé que il allait mettre un cas de discussion en place, comme si ce qu'on faisait avec le ministère de l'Éducation nationale, ce n'était pas un cas de discussion. Maintenant qu'il demande aux camarades de ce soir le mode de grève, et puis bon, que c'est pas à l'école, que maintenant, on va essayer de régler le problème. Est-ce que tout ce qui a été détruit là, ils vont payer les motos, comme par exemple les motos, toutes les choses qui ont été détruites, ils vont essayer de comment on appelle, faire en sorte que les camarades aient ces choses-là en bon état. Mais c'est pas ça l'objet de comment on appelle, la grève. Voilà. Puis c'est ce que je dis à l'époque, il faut du dilatoire. À ce moment-là, à l'Assemblée générale, les camarades sont pour le métier de la grève. Ça, c'est ce qu'ils reçoivent actuellement. On va tirer des conclusions, mais les camarades sont pour le métier de la grève. D'accord. Donc, au sortir de cette réunion, qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous acceptez de lever? Moi, je le dis, on ne peut pas accepter de lever ce mouvement de grève-là. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas lever, on ne peut pas suspendre. Voilà. Et les camarades, dans leur intérêt, sont pour le métier du mode de grève. La discussion s'en fait se faire. Peut-être dans 20 minutes ou une heure de temps, on aura la conclusion. Mais de façon générale, la tendance, c'est pour le métier du mode de grève. Voilà. Voilà, mais les gens ne cherchent pas à régler les problèmes du dilatoire. Il n'y a pas de. C'est une convocation quand même du ministre. Si le ministre a convoqué, normalement, du premier ministre, je vais dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Mais quelqu'un qui n'a pas envie de régler le problème, il va venir pour faire quoi? Il ne vient pas, il t'envoie les conseils techniques, après demain, il va dire non, il y a un vrai respect, après guerre en temps, jusqu'à demain, tu vas voir quand on arrive en 2020, non, il y a les élections, on ne peut pas faire quelque chose quand après les élections. Ça veut dire que maintenant, ils ont pris le j'ai pris ça. On connaît ça? Hein? Le syndicaliste, est-ce syndicaliste, est-ce produit? Le syndicaliste, est-ce produit? C'est pas différent. Hein? Sauf que le syndicaliste prend pas le pouvoir. Sur les deux, on a la même façon de réagir. Mais il y a une déclaration qui dit aussi qu'il y a une main politique dans votre combat. Ça, c'est ce qu'on dit. C'est une noix et le poisson dans l'eau. C'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Si je ne peux pas régler les problèmes, il y a la même politique. Mais la même politique, le cas de cette même politique-là. Il faut quand même que le pouvoir, qui dit que c'est un futur, c'est un parti politique qui nous passionne. Il n'agit pas de dire ça pour dire qu'il y a une même politique derrière. Moi, on a la même politique. Hein. Il n'y a rien. Ils ne sont pas capables de régler ou de refuser de régler les problèmes. Donc, il faut qu'ils trouvent une parade pour justifier leur inertie dans l'action. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a eu aussi la secrétaire générale de l'UNESCO qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle vous a rencontré? Elle ne doit pas encore rencontrer la dame. Mais quel est l'objectif de sa mission? La sécurité de l'UNESCO là. Oui. Maman, elle est venue en Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là, elle veut comprendre. Mais là, elle veut voir le ministère, le gouvernement. Le gouvernement a donné sa position. Si? Oui. Donc, le gouvernement, c'est demain dans son calendrier. Elle pourra peut-être vous rencontrer. Mais si elle disait de nous rencontrer, nous on est là. Mais pour l'instant, elle n'a pas cherché à nous rencontrer. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Zassima. C'est bien. On garde le contact. La décision des enseignants vient d'être rendue. La grève est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service.